Action. Bonjour mes amis Facebook. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les rouleaux de printanier. Alors, premièrement, ça prend de la musique et un îlot merveilleux. Alors là, les ingrédients, des légumes, les céleris, les avocats, les oignons, les feuilles de menthe fraîches, les petits sésames, les graines de sésame, l'huile de sésame au besoin, les vermicelles, une planche de travail propre et les feuilles de riz. Ça, c'est les feuilles de riz. Alors, premièrement, la première étape. On dépose les feuilles de riz dans un bassin d'eau chaude. Très important que la feuille de riz soit très bien ramollie. Voilà, là c'est prêt. Idéalement, on sépare, par rouleau, on met deux feuilles de riz. On sépare les feuilles de riz, on va les croiser. Et voilà, la deuxième feuille de riz. S'il vous plaît, mes amis, ne surchargez pas vos rouleaux parce que vous ne pourrez pas rouler. Alors, on fait la modération. On commence par les crevettes. On met la crevette. Voilà. On met les feuilles. L'ordre n'a pas d'importance. Les feuilles de la menthe. Voilà. On peut mettre, voilà, les vermicelles. À votre goût. Comme ça. Ensuite, on y va, comme on veut, là. La mangue, les piments rouges, les avocats, les petits légumes, des oignons pour donner du goût, très important. Mesdames, brossez-vous les dents si jamais vous êtes accompagnée d'un cavalier. Ensuite, on peut mettre les fraises. Quand c'est l'été, on met les fraises. Là, c'est l'hiver, mais moi, je mets les fraises quand même. Alors là, bon, si vous êtes un peu légumes, on met la salade. Et là, les techniques. Regardez bien, c'est particulier. On commence par les côtés, on rabat, on avance, l'autre côté on rabat. Très important de faire le rouleau très serré. Tous les hommes adorent les rouleaux serrés. Voilà, on pousse au fond, on rabat, on tourne et on bascule. Et voilà, là vous voyez la crevette, c'est comme un fœtus dans la poche amniotique. Quand ça fait comme ça, vous voyez le transparaître, la crevette c'est parfait. Et on dispose dans un plat, s'il vous plaît, les plats chics, hein? Parce que les assiettes cassées, c'est pas joli. Alors voilà, mes amis, fait que je vous suggère comme activité du samedi soir, les rouleaux printaniers à la Josée.